Les jours de départ, Daniel, c'est un peu la terreur des skippers et des préparateurs. Daniel est garant de la jauge, autrement dit des règles qui régissent la classe Figaro Beneteau. Tu poses tout ce qui est ancre et chaîne. Les ancres légères, l'ancre plus la chaîne ne doit pas être inférieure à 10 kg. Okay. Sur la balance, Daniel appliquer la règle des 100 kg, soit le poids maximum autorisé sur chaque bateau. Tu regardes, ah ouais, tiens, hein. Moi, je constate que vous avez 12 litres. C'est 10 litres. D'accord. Vous êtes déjà en défaut. Hein. Donc, je vais faire un rapport. Le risque, c'est la pénalité. Appliquée en minutes, ces précieuses minutes qui coûtent si cher dans une course à la voile jugée au cumul du temps. Le couperet du chronomètre a fait le ménage dans la première étape, avec la moitié de la flotte arrivée en moins d'une heure d'écart. Et une autre moitié reléguée plusieurs heures plus loin. C'est vrai que pour l'instant, il semble que les 13 premiers soient un petit peu devant, un petit peu tranquilles. Maintenant, c'est plutôt une course à 13 et il va falloir être dans les peut-être 10 là, qui seront encore en course l'étape suivante. Quoi. J'imagine que sur les 13 qu'on est là, on va encore en perdre un peu. Il ne faut pas être dans cela. C'est sûr que d'avoir plus de 4 heures de retard sur le premier, c'est toujours handicapant pour le classement général de la course à l'arrivée à Istanbul. Maintenant, chaque étape a son histoire et ça, je le sais très bien parce qu'il y a 2 ans, ben, j'ai fait une très très belle étape qui a embelli toute ma saison. Donc il faut vraiment croire en chaque étape et puis oublier ce qui s'est passé avant. 3, 2, 1, départ ! Bon départ ! Force 5, sous le soleil, la Sicile a fait un superbe cadeau aux 26 concurrents de la WOCAP Istanbul. Les conditions sont idéales, sauf que la course a glissé quelques petits cailloux dans les bottes des skippers. Pas de souci pour Ronan Trossard, en tête sur Lufthansa, mais derrière ça se complique. En ennemi invisible, le courant est venu jouer les troubles faits, d'autant que le kata direction de course fait office de bouée de dégagement. Règles d'engagement, priorité tribord, risque de collision, j'en passe et des meilleurs. De quoi donner des sueurs froides et piquer des colères dans la bagarre de virement. Au miracle, tout le monde a mis le cap vers la Grèce sans une égratignure. Décidément, la WOCAP Istanbul est sous une bonne étoile.